béni en ce jour nouveau, où nous sommes encore réunis dans la présence du Seigneur, en vue de le célébrer, exalter, le proclamer. Je voudrais donc nous inviter chacun pour sa part à rentrer dans la présence du Seigneur avec cette merveilleuse mélodie et ses merveilleuses paroles. Tu es celui qui me justifie lorsque je suis accusé.
Seigneur votre Dieu. Honore-le ce matin. Il y a Dieu, ton règne, ton règne dans ma vie. Règne dans ma vie, règne dans ma vie, Seigneur. Il règne. Il règne dans ta vie, il règne dans ma vie. Il n'y a rien qui puisse te dépasser. Et là, ma voix, il dit, tu règnes dans ma vie. Tu règnes dans ma vie, Seigneur. Dis-le ce matin, tu règnes dans ma vie, Seigneur. Face aux difficultés, tu règnes. Face au mépris, tu règnes. Face à la maladie, tu règnes. Nous voulons te contempler ce matin. Mon Dieu d'Israël, mon Dieu de la Bible, nous te proclamons ce matin. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Ta grâce t'a bondé, ta grâce t'a bondé. Seigneur, ce matin, je te bénis pour ta grâce.
des parents et qui ont démontré le contraire. Ils n'ont pas été capables de nous rendre le pareil. Mais nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Tu peux le dire à Dieu ce matin, en dépit de mes faiblesses, en dépit de mes manquements, en dépit de mes imperfections, en dépit de mon humanité qui parfois prend le dessus. Seigneur, le plus profond de mon cœur, tu sais que je t'aime.
Tu n'es pas vivant.
ma vie est l'expression de ta vie. Ma vie est la preuve plausible que tu es. Si tu n'étais pas assis sur ton trône, il y a longtemps je serais déjà mort, Seigneur. Parce que l'enfer avait déjà aménagé une place pour moi. Mais pendant que j'étais en train de me diriger vers la perdition, tu es venu et tu m'as subitement, tu m'as souverainement, tu m'as d'un tout à coup arraché le chemin de l'enfer. Tu m'as amené dans le royaume de lumière. Tu m'as lavé, tu m'as justifié. Tu as inscrit mon nom dans le livre de vie. Où sont ceux qui confessent que tu n'es pas vivant? La nature exprime ta vie. La création exprime ta vie. Les humains, les plantes, tout ce qui respire exprime ta vie. Tu as fait pour moi. Je ne peux même pas tout raconter. Tu en as tellement fait, Seigneur. Les promesses. Aucun vocabulaire, aussi riche qu'il soit, ne peut exprimer et expliquer l'œuvre de ta vie dans ma vie. Tu es grand.
donne la gloire à Dieu. Souvent nous donnons la gloire aux hommes. Si ce n'était pas mon mari, si ce n'était pas mon père, si ce n'était pas mon pasteur, si ce n'était pas mon travail, mais toutes ces choses, c'est Dieu qui nous a donné. Donne gloire à Dieu. Merci Jésus. Nous te glorifions et nous exaltons.
puissant de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour ces moments d'adoration. Vous savez, nous sommes en train de nous entraîner parce que c'est ce que nous allons faire dans l'éternité. L'éternité, il n'y aura pas les problèmes de la SCG, les unités, les problèmes d'argent, il n'y aura même pas les problèmes de mariage. Comme a dit Jésus, nous serons comme des anges. Nous n'aurons pas besoin d'électricité. La SCG ne va même plus exister. Parce que sa lumière va nous éclairer. La Bible déclare qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de souffrance. Je soupire après ce jour. Et là maintenant, nous sommes en train de nous entraîner. Dans le ciel, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de requête, il n'y aura pas d'intercession. Il n'y aura même pas de prédication. Il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de demande. La seule chose que nous allons faire, c'est adorer. Adorer. Rien qu'adorer l'agneau. Dans le ciel, il y a un chant. Les anges, les 24 avec tous les êtres vivants dans le ciel. Le seul travail qu'ils font, jour et nuit, matin et soir, le temps disparaît parce qu'ils sont dans l'éternité. Je voudrais nous encourager à prendre le temps à nous entraîner sur la terre. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous rendons la gloire à notre Dieu. Avant de commencer mon message, ce matin, mon exhortation, je voudrais d'abord lancer un appel. Un appel, vous avez vu un peu partout, l'église du Gabon est rentrée sur nos ventes. De 3 jours. Je voudrais dire aujourd'hui combien c'est une bonne chose pour nous. De divergence doctrinale, de divergence de vision, nous voulons mettre des choses culturelles.
C'est un appel. C'est un appel. C'est un appel. C'est un appel. Merci de répondre à cet appel. Je m'adresse à ceux qui aiment manger. Ceux qui disent qu'ils ont les problèmes d'estomac. Que pendant ces 3 jours, le Seigneur guérisse des maladies d'estomac. Parce que nous tous, nous allons au fond. Pas contre lui. Nous allons dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, le thème de notre enseignement ce matin, c'est glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de comprendre cette notion biblique ou cette expression biblique, glorifier Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a des expressions habituelles, des expressions courantes que nous utilisons, mais que parfois, nous ne comprenons pas le sens ou la profondeur. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ce petit mot, petit, cette petite phrase, mais qui en fait a une profondeur puissante, qui en fait représente beaucoup pour Dieu. Glorifier Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Je voudrais déjà dire une chose un peu compliquée à dire. C'est que lorsque nos désirs sont satisfaits, nous pensons que Dieu est glorifié. Non. J'entends des gens qui disent, nous avons acheté une voiture, une nouvelle voiture. Oh, la gloire de Dieu. J'entends des gens qui font des mariages et tout le monde a mangé, tout le monde a bu. Vous attendez à la fin, nous avons fait un grand mariage. La gloire de Dieu a été glorifiée. Des gens qui se marient, des gens qui construisent des maisons et qui disent que Dieu est glorifié dans ça. Mes amis, il y a des païens qui se marient mieux que vous. Ils se marient bien, les gens boivent jusqu'à y boire pendant 5 jours. Mais à la fin, Dieu n'est pas glorifié. Acheter une voiture, il y a des gens qui ne prient pas Dieu, qui achètent des voitures. Acheter une voiture ne signifie pas que Dieu est glorifié. L'une des raisons qui fait que beaucoup de personnes ne viennent pas dans nos églises, notamment les riches et ceux qui sont en essai, c'est parce qu'ils disent, mais à quoi vont venir à l'église puisque les chrétiens font la promotion d'un Dieu qui construit les maisons, d'un Dieu qui marie les gens, d'un Dieu qui achète les voitures. Mais nous avons ça dans nos maisons. Pourquoi donc venir prier Dieu qui nous donne des choses que le travail peut nous donner, qui nous donne des choses que l'argent peut nous donner, qui nous donne des choses que les relations peuvent nous donner? Mon frère, que ma vie est grande, j'ai vu ça, les ventes ne signifie pas que c'était la gloire de Dieu. Ne signifie en rien que Dieu était glorifié dedans. Acheter des voitures. Aujourd'hui, beaucoup de gens estiment et définissent la gloire de Dieu dans la vie des noms par cette possession. Mes amis, si la gloire de Dieu est liée aux possessions des hommes, donc même les païens ont la gloire de Dieu. Si la gloire de Dieu est liée aux avoirs des noms, aux comptes bancaires des noms, aux véhicules, j'en ai marre de dépeindre mon Dieu comme étant un Dieu matérialiste. La gloire de Dieu n'éclate pas l'endroit quand tu auras une grande maison. Glorifier Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que signifie glorifier Dieu? Avoir un mariage ne signifie pas glorifier Dieu. Faites la différence entre vous marier et faire être marié et faire une cérémonie de mariage. Nous allons voir que beaucoup de personnes se sont mariées. Mais leur vie de couple ne glorifie pas Dieu. Il y a des couples qui sont des couples accidentels. Il y a des couples quand vous les regardez à l'église, vous n'avez pas envie de vous marier. Est-ce que c'est glorifier Dieu? Il y a des gens qui travaillent, qui gagnent beaucoup d'argent. Mais quand vous les regardez, vous avez des personnes qui sont malheureux. Est-ce que ça glorifie Dieu? Vous savez, avec le temps, avec l'expérience, j'ai appris à ne pas me laisser impressionner par le salaire de quelqu'un. J'ai appris à ne pas me laisser impressionner par l'aspect extérieur de quelqu'un.
Que signifie glorifier Dieu? Nous allons lire un texte dans Jean 18. Je ne serai pas long ce matin. N'oubliez pas le doigt de l'évangélisation. Nous avons notre principe, nous devons cliquer, partager. Partager. Parce qu'il y a des gens qui doivent être bénis ce matin par ce message. Le doigt de l'évangélisation. Tu es un évangéliste, alors tu vas prendre part en cliquant partage. Si tu écoutes ce message, partage. Ne sois pas avare. Partage. Même quand tu vas te connecter après, quand tu vas écouter cette prédication, partage. Ne sois pas avare. Tu peux sauver. Tu peux délier quelqu'un de la forteresse dans laquelle il se trouve. Jean 15, verset 8. Voici ce que dit la Bible. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jésus dit aux disciples, le renseignant sur certaines recommandations, certaines instructions pour être un disciple accompli. Jésus enseigne ici aux disciples comment devenir un disciple accompli, comment devenir un vrai disciple. Jésus n'a pas laissé les chrétiens, mais Jésus a laissé les disciples. Donc il enseignait comment devenir un vrai disciple. Il leur dit la première chose pour devenir un vrai disciple. Première chose, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, première chose, mon Père sera glorifié. Le Père n'est pas glorifié quand je vis. Le Père n'est pas glorifié quand j'ai beaucoup d'argent. Le Père n'est pas glorifié parce que j'ai une belle église, parce que j'ai une grosse voiture. Le Père est glorifié.
compétition. Pour autant, ce qui est sincère, portez le fruit. Ils ont occupé la place.
mérite la mort. Mon frère, être vivant ne suffit pas pour toi le fruit. Si tu veux le ministère, avoir le ministère ne suffit pas pour toi le fruit. Celui qui ne porte pas le fruit, Dieu le retire. Parce que Jésus dit, pourquoi occupe-t-il la place inutilement? La place que tu as aujourd'hui, une autre personne pouvait l'occuper et porter le fruit. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui, une autre personne peut être dans la même situation et porter le fruit. Jésus explique que les hommes meurent parce que parfois ils occupent la place inutilement. Oh mes amis, porter le fruit. Si tu ne portes pas le fruit, ta vie peut être réclamée. Vous savez, celui qui occupe la terre inutilement doit mourir. Ce n'est pas un débat. Parce que Dieu a un projet pour l'humanité. Lorsque tu es suscité pour ce projet et que tu n'es plus dans ta raison d'être, Dieu te prend. Dieu te prend. Il y a trop de gens qui vivent, mais qui vivent inutilement. Dieu veut être glorifié par ses fils. La gloire de Dieu, quand Dieu est glorifié, c'est parce que nous portons le fruit. Est-ce que tu portes le fruit? Le plus important, c'est pas dire je sers le Seigneur. Tu peux servir le Seigneur sans porter le fruit. Dieu ne juge pas les gens sur comment ils ont servi. Dieu juge sur la base de est-ce qu'il a porté le fruit. Vous savez, un jour, une femme qu'on appelle Tabitha, Dorcas, la Bible dit qu'elle est morte. Quand elle est morte, Pierre était à Jopé. Jopé, c'est comme Cambo. La Bible déclare qu'ils ont envoyé les gens aller chercher Pierre à Jopé. Regardez la distance. Pierre se sent en obligation de venir. Quand il arrive, la Bible dit que les hommes, les femmes vont prendre les tenues qu'elles cousaient. Le séjour des morts avait déjà été aménagé. Tabitha était déjà rentrée au séjour des morts. Écoutez-moi très bien, elle était déjà rentrée. Son jour avait déjà sonné. Et le séjour des morts était déjà ouvert pour l'accueillir. Quand elle est rentrée, la Bible déclare que parce qu'elle avait porté le fruit dans sa génération, parce qu'elle avait agi et porté le fruit dans sa génération, le fruit l'a ramenée à la vie. Parce qu'elle a porté le fruit qu'elle a porté l'a ramenée à la vie. Les femmes ont amené à Pierre l'épreuve. Ils ont dit à Pierre, les hommes peuvent mourir, ce n'est pas un problème. Mais cette femme-là ne peut pas mourir. Le séjour de mort était déjà ouvert, mais elle est sortie vivante du séjour de mort. Elle est revenue à la vie, pourquoi? Parce qu'elle a porté le fruit. Ézéchias. Vous savez, Ésaïe est parmi les plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Le gars, quand il prophétise sur l'œuvre de Jésus, c'est comme s'il est à la croix, assis. Il regarde. Il a dépeint de la croix que certains évangélistes du Nouveau Testament. Ce n'était pas un petit prophète. Dieu l'envoie avec un décret. Le décret vient du conseil céleste. Va dire à Ézéchias qu'il mourra. Ésaïe rentre. Lui-même, le roi sait que quand le prophète arrive, c'est compliqué. Le prophète annonce l'oracle de l'Éternel. Écoutez-moi. Quand Ézéchias se retourne, il ne parle pas au prophète. Il regarde le mur et il parle à Dieu. Il dit à Dieu, c'est vrai que tu as dit au ciel, je vais mourir. Mais il y a une chose qui peut me retenir. J'ai porté le fruit durant mon royaume. Durant mon règne, j'ai fait ce que beaucoup de personnes n'ont pas fait. Il a rappelé à Dieu qu'il était sur la terre, il n'était pas un roi comme les autres. Ah, pendant son règne, il a porté le fruit. Et la Bible déclare que pendant qu'Isaïe était à la cour, l'Esprit de Dieu lui dit, retourne, dit au gars, je l'ajoute, les amis. Il y a des gens qui ne mourront pas prématurément parce qu'ils portent le fruit. Il y a des gens qu'on va empoisonner, ils ne mourront pas parce qu'ils portent le fruit. Il y a des gens qu'on va attaquer. Le séjour des morts, on a fait les plans, les esprits, les sorciers, les démons, tout ce que vous vous imaginez. Ils sont en train de vous attaquer. Mais parce que vous portez le fruit, vous avez un agenda avec le ciel. Ce n'est pas encore fini. Alors, même si on va décréter la mort, même si les parents disent que tu vas mourir par accident, un ange va être dépêché pour te sortir de là. Pourquoi? Parce que tu es un homme qui porte le fruit. Le ciel compte sur toi. Excusez-moi de vous le dire, mais le ciel ne compte pas sur le monde. Il y a des gens sur qui le ciel ne peut plus
livre de Genèse 2, le verset 28, et Genèse 9, le verset 1, la Bible dit que Dieu va d'abord créer Adam et Ève. La Bible dit qu'il va les bénir. Il va prononcer une parole. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous et peuplez la terre. Assujettissez-la. J'en veux dire une chose, avoir le succès ne suffit pas d'être fécond. C'est simplement du fédéral. Dieu appelle Adam, lui a donné la fécondité engendrera la multiplication. La multiplication aura pour conséquence l'assujettissement. On ne peut pas assujettir si on n'est pas fécond. On ne peut pas assujettir et dominer si on n'a pas été capable d'être fécond et de se multiplier. Vous savez, quand Dieu vous donne un mari ou une femme, le plan de Dieu, ce n'est pas que vous faites des bébés seulement. Beaucoup de mariages sont dénués de la grâce, de la gloire de Dieu. Ne glorifie pas Dieu. Les gens, quand ils ne sont pas mariés, ils sont à fond dans le Seigneur. Dès qu'ils sont mariés, ils viennent se reposer. À croire que le mariage est devenu une maison de retraite. Les gens ont le mariage, étaient dans le jeûne, la prière, aux objectifs divins. Dès qu'ils sont mariés, la seule chose qui les préoccupe, c'est comment manger, comment faire les enfants, comment préparer la retraite et envoyer les enfants à l'école. Lisez la Bible, il n'y a aucune gloire dans ça. Dieu n'a aucune récompense à vous donner parce que vous aurez agi comme ça. Si vous construisez vos maisons, ce sont vos maisons. Dieu ne dit rien là-dedans. C'est votre argent, c'est votre prière, c'est pour vous. Dieu n'est pas glorifié là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le but, les objectifs divins. Est-ce que dans ton travail, tu glorifies Dieu? À part ton salaire qui augmente, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La fécondité, la capacité de donner la vie. Aujourd'hui, quand Dieu vous confie des enfants, Jésus en parlait, on vous confie, vous en faites des prosélytes, et à la fin, vous en faites des fils de la GN. Les enfants que Dieu vous a confiés, c'est pour faire d'eux des serviteurs. Écoutez-moi bien, Anne était fière, parce qu'elle a engendré un grand homme. Elle a accompagné son fils afin que ce que Dieu a dit de sa vie s'accomplisse. La fécondité, c'est la capacité de donner la vie. Quand je parle de fécondité, ce n'est pas de faire les bébés. Donner la vie. En ce que multiplier la vie que Dieu vous a donnée, en ce que vous devenez puissant. Parce que l'objectif de Dieu, c'est d'assujettir, c'est de dominer la terre par les hommes que nous sommes. Dieu est content lorsque vous portez le fruit. Oh, ma soeur, ne va pas en retraite très tôt. N'enterre pas ton appel très tôt. Ce que Dieu cherche pour toi, c'est que tu portes le fruit. Féconder, se multiplier, et ça te signifie porter le fruit. Je n'ai pas envie d'être le seul grand. Abraham a mis au monde Isaac. Isaac a mis au monde Jacob. Jacob a mis au monde les 12 tribus. Les 12 tribus ont permis au Messie de venir sauver l'humanité. Le Messie est mort, mais le salut n'a pas seulement touché les Juifs, mais l'humanité tout entière. Voici ce qu'on appelle porter le fruit. Abraham, en tant que père, a porté le fruit. Isaac est venu, il a porté le fruit. Jacob a porté le fruit. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, ceux qui sortent portent plus de fruits que d'autres. Isaac a porté plus de fruits qu'Abraham. Jacob a porté plus de fruits que Isaac. Les 12 ont porté plus de fruits que Jacob. Ça veut dire quoi? Ceux qui sortent de moi doivent être plus puissants que moi. Mon enfant, spirituel ou physique, doit être plus fort, aller plus haut que moi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un?
Mais habituellement, ce qui sort de nous est souvent inférieur ou égal à nous. Or, ce qui porte des fruits, c'est quoi? C'est engendrer la grandeur, engendrer la gloire, engendrer une autre dimension. Joseph n'était pas plus puissant que Jésus. Non. Pierre a fait des choses que Jésus n'a pas fait, mes amis, dans le ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez des hommes et des femmes qui portent le fruit. L'objectif, ce n'est pas d'exister. Vous savez, dans notre psaume 1, le verset 3. Je te répare ce matin, je voulais vraiment exhorter. Psaume 1, le verset 3. Il y a un texte. La Bible dit ceci. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà vu un arbre qui se déplace? C'est seulement dans les dessins animés et dans les films mystiques qu'on voit des arbres qui se déplacent. Un arbre est planté. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est planté à un endroit. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Est-ce que ce que tu fais te réussit? Première question. Il faut que tu répondes à cette question. Donc, tout ce que tu fais, est-ce que ça te réussit? L'une des raisons pour lesquelles les gens ne prennent pas le fruit, première chose, c'est l'instabilité. C'est parce que l'arbre est planté au bon endroit qu'il reçoit la vie. La question, c'est est-ce que tu... Oh, pasteur, ma vie, j'ai reçu plusieurs chrétiens instables. Dès que tu es instable, même si tu as un appel qui vient depuis le trône de la grâce, ça va s'accomplir. Parce que Dieu ne bâtit pas les hommes de la gloire dans l'instabilité. Des choses qui ont de la valeur se reçoivent étant assis. C'est pourquoi quand Jésus a fait la multiplication, il a demandé aux gens, les faites-les asseoir. Il est comme un arbre. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Souvent vous êtes placé devant un dilemme. Entre choisir d'être indépendant ou plutôt d'être fructueux. Il y a des gens qui sortent de l'endroit dans lequel tu les as placés. Parce que pour porter le fruit, il faut être à un endroit. Chacun est identifié. L'endroit où Dieu l'a placé pour porter le fruit. Ça veut dire quoi? Si vous sortez de l'endroit où Dieu vous a placé pour porter le fruit, vous allez faire des choses, vous n'allez pas être fructueux. Prenons le cas du ministère. Je m'adresse aux jeunes serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont des aventuriers dans la foi. C'est des hommes qui étaient plantés. Ils ont décidé de sortir là où ils étaient plantés pour entrer dans l'aventure. On a beaucoup de pasteurs, de prophètes et des apôtres qui sont en fait des anciens et des diacres, même des responsables des jeunes, donc même des gens chargés du nettoyage à l'église, qui se sont autoproclamés, qui sont sortis de là où ils étaient plantés, là où ils devaient porter du fruit parce qu'ils voulaient l'indépendance, ils voulaient la gloire et la réussite. J'ai vu des jeunes commencer dans le ministère. Le feu, ils se sont éteints. Pourquoi? Est-ce qu'ils n'avaient pas la peine? Donc ils avaient la peine. Mais ils n'étaient pas plantés. Il fallait porter le fruit. On ne plante pas une arme sur le bout du tronc. On sait à quel niveau. Il y a des gens qui aiment leur indépendance spirituelle. On a je ne suis pas contre la multiplicité des églises. Je suis d'accord. Mais à quoi ça sert d'avoir un ministère si on ne peut pas le fruit? Faire les voyages, non, ce n'est pas porter le fruit, mes amis. Non. Prophétiser, non, ce n'est pas porter le fruit. Avoir beaucoup les fidèles, non, ce n'est pas porter le fruit, mes amis. Ça, c'est le succès. Or, le succès est différent de porter le fruit. Il y a des gens qui refusent d'être là où ils sont, là où ils devraient être, parce qu'ils veulent une indépendance pour réussir aussi. Pour que eux aussi, parce qu'ils sont pasteurs, ils sont prophètes, ils sont apôtres. Tu vas échouer.
Excusez-moi de vous le dire. Mais il y a des endroits et des personnes à ne jamais quitter. Chaque appel, Dieu placera des gens sur votre parcours qui sont comme des courants d'eau, qui vont vous permettre de porter toujours le feuillage dans votre saison. Le jour où vous sortez, vous n'aurez plus le feuillage. De temps en temps, vous allez agir. Vous savez, Aaron est devenu grand dans le sacerdoce de Moïse. Aaron ne peut plus que Dieu aussi m'appelle, j'ai l'onction. Mais quand Dieu appelle Aaron, il lui dit, tu vas travailler dans le sacerdoce de Moïse. Il y a des gens qui sont prêts à porter le fruit, mais en travaillant dans la vision d'une autre personne. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous crée, il sait que vous êtes capable de payer un certain nombre de prix. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet que la personne qui est placée au-dessus de vous ait payé le prix pour que vous, vous venez simplement bénéficier de ça. Mais vous ne comprenez pas le système. Vous voulez sortir de là pour être indépendant et vous échouez. Vous savez, le fils prodigue, il avait bien fait de demander son héritage. Mais il y a un détail que beaucoup de gens ne lisent pas. La Bible dit, il s'en alla loin de son père. Est-ce que tu es planté? Je ne suis pas en train de parler d'onction. Porter le fruit, c'est pas. Écoutez, je vois beaucoup de pasteurs qui ont l'onction, mais leur ministère ne porte pas le fruit. Comment expliquer que quand on a l'onction, on ne porte pas le fruit? Parce qu'en fait, on ne réussit pas avec l'onction. Il y a des choses qui vont se déclencher dans ton ministère simplement parce que tu seras planté en toi. Simplement parce que tu seras connecté à une personne. Si tu déconnectes, parce que la vie n'est plus accessible, tu meurs. Il est comme un arbre. À quoi ça sert? Je vois des gens qui vont vivre à l'étranger. Les pasteurs, ils décident d'aller ouvrir l'église en France. Ils décident d'aller ouvrir l'église en France. En France, il n'aura jamais plus de 500 fidèles. Mais il choisit de bien vivre dans un autre pays en Europe, alors que c'est en Afrique où il peut porter le fruit. Parce que même dans cette affaire de porter le fruit-là, il y a ce qu'on appelle la volonté géographique de Dieu. Parfois, ça ne marche pas parce qu'on est au mauvais endroit. Il suffit de se décaler et voir comment les choses commencent à marcher. Imaginez-vous que Élisée s'était levé un matin voulant devenir un prophète. Élisée aurait pu être un prophète. Mais Élisée n'aurait jamais pu manifester la dimension qu'il a manifestée s'il n'avait pas reçu un manteau venant d'Élie. Le fruit que Élisée a porté découlait de quoi? De la relation qu'il avait avec Élie. C'est pourquoi quand il a pris le manteau, il a frappé au sol. Il a parlé le Dieu d'Élie. Tu peux être en Europe et avoir une église, une belle petite église, et puis les gens viennent, tu te dis que non, là c'est, j'ai commencé à réussir, je suis pasteur en France, pasteur aux États-Unis, ça ne veut rien dire. Ce que Dieu récompense, c'est le fruit. À quoi ça vous sert de travailler si vous ne portez pas le fruit? Quelqu'un était à l'église, il y a quoi un bon ancien ou un bon collaborateur? C'est pourquoi les gens se battent dans le ministère. Ils se battent, ils souffrent. Vous savez, le ministère, c'est l'œuvre de Dieu. La Bible déclare que son œuvre prospère entre ses mains. Quand vous portez le fruit, Dieu est glorifié. Vous savez, il y a des choses où Dieu va vous sortir. Vous allez vous demander comment et pourquoi. Mais c'est parce que vous portez le fruit. Alors aujourd'hui, décidons de porter le fruit. Ne faites plus le ministère qui fatigue. Il y a des gens qui souffrent dans le ministère, qui souffrent. Vous savez, l'une des conditions pour le souverain sacrificateur, c'est que lorsqu'il avait été entré dans le sein des saints, il ne devait pas transpirer.
La transpiration était interdite dans le lieu très saint. Vous savez ce que signifie la transpiration? La transpiration signifie les œuvres de l'homme. Il y a des gens qui se battent, qui s'ouvrent pour avoir des choses. Pendant que d'autres ne rentrent même pas en intercession. Ça les poursuit. Pendant 3 ans, 1. Les disciples n'ont pas manqué de nourriture. 2. Ils n'ont pas manqué un endroit où dormir. 3. Ils n'ont pas manqué comment vivre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec un homme qui portait le fruit. Ce que tu cherches dans ta vie là, ne cherche pas ça. Commence à porter le fruit dans ce que tu fais. Avant de dire que quand je deviens ministre, je deviens pasteur, je deviens apôtre. Est-ce que en tant que diacre, tu portais le fruit? Vous savez, quand je dis porter le fruit est la preuve que les intérêts de Dieu ont une priorité dans ta vie. Et là où un homme ou une femme met en avant les intérêts de Dieu, le ciel devient à ton service. Regardez Jésus. Un jour, ils n'ont pas l'argent pour payer l'impôt. Il dit carrément à Pierre, va là-bas, pêche le poisson, tu trouveras de l'argent dans le poisson. Un jour, il a envie de rentrer à Jérusalem. Ils n'ont pas d'âne. Jésus ne connaît même pas le propriétaire. Il y va à quel endroit? Tu verras un anon attaché. Il y détache-le. Si on te demande, dis le maître en a besoin. Mes amis, l'évangile des besoins humains, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Quand Pierre est parti, le gars a dit, le maître en a besoin. Jésus est rentré. Au bout des moments dans vos vies, quand vous ne portez pas le fruit, quand ce que vous faites ne marche pas, posez-vous la question, est-ce que vous êtes planté au bon endroit? Il y a des gens qui sont dans la sécheresse dans le ministère. Ferme l'église. C'est pas une honte. Ils deviennent noirs, ils souffrent, ils se battent. Ils deviennent aigris, ils sont dans le ministère, mais ils sont aigris. Quand tu deviens pasteur et guide, frère, c'est pas qui t'a appelé, tu as été pipé par toi-même. Le ministère ne peut pas souffrir, c'est pas une corvée.
apparence devant les gens. Mais à la maison, c'est le feu. Ils sont les avances. C'est pas porteur de fruits. On voit les pasteurs, ils sont limés, ils prêchent l'évangile. Mais frère, ils souffrent jusqu'à être S majuscule. On croit que même ces prédications, c'est l'amertume dans son âme. Vous ne m'aimez pas. Vous ne me bénissez pas. Vous êtes des mauvais fidèles. C'est Dieu qui bat. Pendant le corona, là, ça a été un test pour beaucoup. Beaucoup d'églises qui ont fermé. Je ne m'en réjouis pas. Non. Mais le corona devrait être, cette histoire de corona devrait être un test pour voir si Dieu vous a appelé. Parce que quand Dieu vous a appelé, il ne vous abandonne pas. Même quand Dieu prend soin de vous. Tout ce que vous devez rechercher, même quand vous voulez vous marier, même quand vous voulez avoir le travail, même quand vous voulez le ministère, quelque chose que vous devez rechercher, s'il n'y a pas le fruit, il est laissé tomber. Je veux prier pour quelqu'un. Si ta vie ne porte pas le fruit, c'est que tu es peut-être au mauvais endroit. Moi, je vois les chrétiens. Vous êtes au Gabon. Vous allez appeler quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est mon père spirituel. Je connais quelqu'un qui a dit que mon père spirituel, c'est Ivan Castanou. C'est Ivan Castanou qui t'a engendré dans la foi. Tu le connais où? Tu le vois à la télé et internet. Il y a beaucoup de gens qui sont pasteurs, tu reviens entre eux, les pères spirituels comme Dad. Gloire à Dieu, Dad, c'est un père, nous espérons tous. Mais est-ce que c'est lui qui t'a engendré? Tout ça, quand tu as vu que Dag porte le fruit de son ministère, que, en disant que je suis son fils, moi aussi je porte le fruit, mais ton ministère n'est plus là. Tu as maintenant fait la coupe pour dire que tu es Joshua. Est-ce que ton ministère porte le fruit? Connectez-moi à la source pour que vous portiez le fruit. Le ministère ne se force pas. Ce n'est pas une corvée. Le mariage, ce n'est pas une punition. Frère, quand tu te maries, il faut que quand tu te réveilles comme ça, les gens ont envie de se marier. C'est-à-dire que tu nous donnes l'envie, tu nous fais mal au cœur, on dit non, on veut se marier. Mais bon, aujourd'hui, on n'a même plus envie de dire que c'est ça le mariage. On va être célibataire. Donnez-nous envie de se marier. Il y a des gens qui ne sont heureux que sur Facebook et ils font des photos. Mais leur vie, en vérité, c'est la sécheresse. Porte le fruit, la sœur. Ne t'accroche pas aux gens. Porte le fruit. Seigneur, merci. Merci de bénir quelqu'un ce matin. Tu as dit que tu veux que nous portions le fruit afin que le Père soit glorifié. Et là, nous serons véritablement tes disciples. Seigneur, si quelqu'un commence à faire le ministère, la vie, le mariage, les relations, le travail, les affaires sans porter le fruit, je prie aujourd'hui que par ta grâce, cette onction soit relâchée dans les vies. Cette onction soit relâchée dans les vies. Ceux qui sont plantés au mauvais endroit, je prie qu'ils soient déracinés et se plantent au bon endroit au nom de Jésus. S'il y a des gens qui vivent l'instabilité, ils vont d'œuvre en œuvre, de projet en projet. Ma prière en Dieu de gloire, c'est que tu les déracines et que tu les plantes là où tu les as prédestinés au nom de Jésus. S'il y a des gens qui sont engagés à faire leur ministère, qui se battent pour exister, pour se faire un nom, je prie que tu ouvres leurs yeux et leur cœur afin qu'ils se reconnaissent à leur source de vie au nom de Jésus. Plus jamais un ministère sans porter le fruit. C'est une misère que de faire un ministère sans porter le fruit. C'est une misère que d'avoir un mariage qui ne porte pas le fruit. C'est une misère que de travailler et d'être malheureux. C'est une misère que d'être dans un couple et d'être triste. Quelle misère, Seigneur! Une misère. Une misère. Permet que chacun porte le fruit. Tu as dit, il est comme un arbre planté près du courant d'eau qui donne son feuillage en sa saison. Si quelqu'un n'avait plus de feuillage, je prie que le feuillage redevienne normal au nom de Jésus. Nous voulons te glorifier, Seigneur. L'argent, ce n'est pas le signe que nous te glorifions. Non, tu n'es pas glorifié parce que nous avons des maisons. Non, Seigneur, le standard est beaucoup plus haut, Jésus. Donne-nous la joie de notre salut. Tu nous as conçus pour porter le fruit, afin que le monde sache que nous sommes tes disciples.
Seigneur, merci pour cette parole qui transforme la vie de quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Avant de vous déconnecter, je vous prie de partager. S'il vous plaît, partagez. Partagez au maximum. Je vous en supplie, partagez. Et que Dieu vous bénisse. Amen.